Et salut tout le monde, c'est X-Rouge et on se retrouve pour une nouvelle vidéo de test. Et cette fois-ci, on va parler de Star Wars Battlefront sur PlayStation 4. Édité et développé par DICE et Electronic Arts, sortie officielle le 19 novembre 2015. Et Peggy nous le déconseille au moins de 16. Note moyenne agréable de 15,5 sur 20. Donc voilà, si vous faites référence à des sites francophones comme jeuxvideo.com, ne vous attardez pas dessus ou ne faites pas votre avis principal sur ce site. Car voilà, il s'est fait plutôt descendre par certains sites français, mais a été énormément apprécié dans le reste du monde, sachez-le. Parlons un petit peu du coup du menu, de l'interface, de ce qu'on a à nous proposer. Pas de solo, mais dans ce qui concerne le solo et la coopération, vous avez différentes phases qui vous sont proposées. De la survie, des batailles avec un ami ou alors contre un ordinateur, et ensuite de la formation au didacticiel, pilotage, tir sur cible, etc. Et ensuite, le multijoueur qui nous propose 9 modes de jeu. Voilà, vous avez la suprématie, l'attaque des marcheurs comme on a pu le voir dans la bêta, l'escadron des chasseurs qui est la fight aérienne, l'escarmouche qui est censé représenter le MME, la zone de largage par exemple, où est-ce que l'on doit emporter le plus de capsules pour pouvoir gagner, voilà, la cargaison, traque de héros, course au droïde et affrontement héroïque, 9 modes qui vous sont proposés, et si bien sûr vous voulez avoir plus de contenu dans ce jeu, n'hésitez pas à vous procurer le Season Pass qui, attention, ça a du mal à passer même avec la vaseline, 50€ pour 4 extensions. Donc voilà, pas de date précisée pour les prochaines sorties de ces DLC. Qu'est-ce qu'on pourrait voir de plus ? La collection, voilà, vous débloquerez divers avatars pour vos personnages du côté de l'Alliance et de l'Empire. Des diaporamas, vous pouvez voir vos statistiques. Les Season Pass, les paramètres à configurer. Je vais donc du coup lancer un multijoueur pour pouvoir vous parler du jeu plus en détail sur un fond gameplay. On a vu l'attaque des marcheurs sur la bêta, l'escarmouche c'est le mode où est-ce que je joue le plus, mais j'ai envie de vous dire que ça casse pas des culs pour autant. Moi je m'attendais à ce qu'on puisse avoir des héros disponibles, même si on me le dit, enfin, je sais pas s'il faut tenir compte de ce qui nous est proposé à droite, je ne pense pas, parce que joueur Mac, je vois écrit 40, et là, en fait, ce n'est que 20 joueurs, c'est du 10v10, apparemment. Là, voilà, 40 joueurs, on voit le nombre de joueurs donnés dessus, voyons, escarmouche, je vais préciser, voilà, 20 joueurs uniquement. Et bien, je vais me rattarder, du coup, sur le mode de la bêta, car franchement, je le trouve vraiment sympa. Désolé pour ceux qui auraient voulu voir d'autres modes de jeu, mais étant vraiment un puriste sur les bords, je n'ai pas envie de faire d'autres choses sur lesquelles je pourrais plus me croûter et ne pas savoir quoi dire, pour pouvoir vous procurer un contenu plutôt agréable. Donc, je vais lancer une attaque de marcheur et on va parler du jeu plus en détail juste après. Voilà, la 280. Beaucoup mieux que la batteuse que j'ai pu tester précédemment. Enfin, moi, de toute façon, j'adore juste le E11. Je le trouve vraiment génial. Qu'est-ce qui se passe ? Oh non, une connexion ? T'es sérieux ? Bon, ça a l'air de marcher. Oh putain, si ça commence déjà en début de gameplay. Bon, voilà. Bien entendu, je voulais aussi... je partais du principe que certes, on allait faire une attaque de marcheurs, mais bon, voilà, j'allais pas forcément prendre l'avant-poste, la map qui était dans la bêta. J'ai bel et bien fait attention à prendre une autre map... il y en a 3 qui sont proposés, il y a donc du coup, nous avons bon, du coup les plaines neigeuses, la forêt et le désert. Pour l'instant, je n'ai connu que 3 maps dans l'attaque de marcheurs, mais je crois qu'il n'y en a que 3. Il faut aussi justifier d'un certain côté les mauvaises notes et les descentes de ce jeu, c'est que le contenu n'égale pas les anciens Battlefront, tout simplement. Toi, je vais tester ma nouvelle truc que j'ai pris. Ça a l'air de faire plutôt mal. Ouais, c'est une espèce de pistolet qui verrouille uniquement les machines et qui fait mal. Enfin, je crois que ça met 30 de dégâts. Et je me barre parce que la flèche verte que vous avez vue qui m'a traversé de très près, c'est un fusil à fusion qui one-shot. C'est, enfin, ce qui one-shot. Plus vous restez concentré, plus ça fera mal, bien entendu.
Le but du jeu, donc du coup, pour ceux qui ne connaissent pas l'attaque de marcheur, vous voyez qu'en haut, en fait, il y a des X-Wing en fait, qui vont se cumuler. Des X-Wing ou des A-Wing, je sais plus. Non, je crois que c'est des X-Wing. Il y a trois points relais, comme vous pouvez le voir en haut, en fait, et c'est à ces trois points relais que l'on peut faire mal au TBTT, le transport blindé tout-terrain. Et du coup, plus on garde des relais, plus les X-Wing vont se cumuler pour lancer des frappes à chaque fois qu'ils arrivent à un relais, ces fameux TBTT. Bon, là, dans la map de la forêt, il n'y en a qu'un, donc ça va être beaucoup plus simple. Voilà, parce que beaucoup de gens disaient, ouais, c'est vraiment pas pareil. D'un côté comme d'un autre, c'est beaucoup plus facile du côté de l'Empire parce que les TBTT sont impossibles à faire tomber. Non, la seule chose qu'il faut que vous sachiez, c'est que il faut vous, une fois que vous avez des sur les petits checks que vous pouvez avoir dans la map, il faut que vous attendiez bel et bien d'être sur le comment ça s'appelle le mode que ce soit un bazooka en fait ou une frappe orbitale, vous voyez, enfin vous savez, un style de un orbital strike quoi, voilà, c'est ce qu'il vous faut absolument. De ce fait, vous pourrez faire beaucoup plus de mal au TBTT quand et ben voilà, quand il arrivera au relais tout simplement, vous voyez, voilà, on a débloqué un vaisseau de plus qui fera une frappe. Les tourelles anti-véhicules, voilà, vous pouvez avoir n'importe quoi de toute façon sur lequel vous pouvez tomber sur ces checks, donc qui vous amène un petit plus, un petit dynamisme, une force de frappe supplémentaire. Là, il y a un orbital strike qui a été jeté par l'ennemi, donc il faut que je m'écarte, vous voyez le cercle en bas à gauche. Qu'est-ce que j'ai? Un bouclier d'escouade, vous voyez, donc là je vais l'activer. Hop, ça fait un petit bouclier. Toi, dégage. Voilà. Et donc du coup voilà, je peux subir un certain nombre de tirs sans être touché, mis à part les fusils qui ont une force de pénétration démente, qui peuvent traverser bien sûr le champ de force et me faire du mal. Je parle bien entendu des snipers ou des bazookas. Il me semble que les bazookas ça traverse, enfin ou du moins ça fait bien mal. On arrive bientôt au premier relais, vous allez pouvoir voir sa vie descendre. Bien entendu, voilà, vous pouvez bien sûr prendre des héros. Dans la bêta, on pouvait avoir Luke Skywalker du côté de l'Alliance et Dark Vador du côté de l'Empire, bien entendu. Maintenant, nous avons en plus de cela du côté de l'Empire Palpatine et Boba Fett, hein, ainsi que pour l'Alliance Han Solo et Leia. Donc, dans le mode solo, j'ai pu tester du coup les 6 héros proposés. Dans les DLC, je pense qu'on en aura d'autres qui nous seront proposés. Han Solo est vachement bien. Bon voilà, c'est une distance hein, comme ça, parce qu'avec Luke on se fait souvent péter la gueule le temps d'aller faire son frag quoi. Et pourquoi vous? Elle rebondit? Merde! Enfin voilà, et Leia c'est plutôt un soutien qui fait du bouclier, enfin voilà, c'est... Pour Palpatine ce sont les éclairs de force, Boba Fett c'est un lance-roquette, sa petite mitraillette... en 3 coups par 3 coups. Enfin non, voilà, c'est vraiment sympa. Donc ça y est, le TBTT est arrivé au premier relais et du coup l'alliance, donc soit nous devons l'éclater. Vous voyez sa vie, 95 de résistance encore. Je lui envoie mon petit pistolet à action pour faire un peu mal. Non, franchement, c'est vraiment sympa dans le fond. Hein. La map est beaucoup, enfin est très jolie hein, franchement, parce que le graphique du jeu, bon, on peut en parler, il est vraiment bien, c'est ce qui lui a valu quand même une bonne note. Mais voilà, comme je vous ai dit, contenu maigre comparé à d'anciens Battlefront. J'ai pu jouer à Battlefront 2, moi personnellement je n'avais pas fait le 1 sur PC. Ça c'est vraiment sympa, et hop, ça il faut absolument que je le prenne. Yes, et voilà, donc ça c'est le logo du héros, je vais prendre de suite Han Solo. Ça va me permettre de vous faire découvrir un petit, quelques nouveautés. Allez, Harrison Ford is in place. Alors lui voilà, donc 3 attaques. Vous pouvez maintenir triangle parce qu'en fait son flingue, en fait il peut surchauffer quand on tire. Attendez, je vais vous montrer, vous voyez, la barre monte. Et si je reste appuyé du coup sur triangle, je peux tirer indéfiniment pendant un certain temps. Le L1, je fonce vers l'avant et donc je peux donner un coup d'épaule. S'il y a quelqu'un dans l'axe, ben je le démonte. Et le R1, c'est un tir concentré, donc avec une légère onde de choc. Donc on peut viser les pieds et en avoir carrément 2. Franchement, moi pour moi, je le préfère largement qu'au Jedi. Bon, parce que certes, Luke et Darth Vader peuvent renvoyer les balles en faisant un R2. Néanmoins, comparé à la bêta, maintenant, c'est limiter leur R2. Voilà, leur champ de défense n'est pas grand.
Bon, ok. Ça, il va falloir que je dégage. Je ne suis pas de taille. Je ne me rappelle plus comment ça s'appelle déjà. C'est bipède. C'est le. Ça va me revenir. Ah, j'ai voulu faire une charge d'action. Enfin, un tir concentré, ça l'a pas fait. Donc voilà, franchement, bonne fluidité, vraiment sympa à jouer. De toute façon, quand on joue un héros, c'est fun. Hein. De toute façon, vous avez aussi le mode affrontement héroïque. Hein. Vous aurez des héros et vous pourrez vous battre contre d'autres héros à plusieurs. C'est vachement sympa. Putain, et il lui reste quasiment qu'un quart de vie au TBTT. S'il faut, deuxième relais, on le démonte. Hein. Vu comme ça. Non, franchement, c'est une carte assez simple pour ce mode de jeu. Non, on voit quand même que la difficulté a été rééquilibrée parce que c'était vraiment le gros point négatif. Personne ne savait comment battre les transports blindés. Du coup, attends, attendez, que je me rappelle, je crois que c'était. C'est le TRTT, il me semble. C'est le transport routier tout-terrain, je crois, ou un truc comme ça. Non, je crois qu'il y a un S. Non, T. Ah, ben voilà, TRTT. Non, non, voilà, c'est transport routier tout-terrain, c'est ça. Ah, ben voilà, non, c'est bon, je l'avais trouvé avant. Allez, c'est bon. Cool. Du coup. Bon, en même temps, le héros dure uniquement jusqu'à. Voilà, la vie qu'on lui donne. Il est indéfini, sinon, il n'y a pas de timer. Donc, ça, c'est plutôt sympa. J'espère que plus tard, on aura des Yoda ou des trucs comme ça. Ah voilà, c'est un Y-Wing qu'on gagne en plus, il me semble. Voilà, c'était affiché à gauche. Et c'est eux qui bombardent en fait les TBTT. Donc voilà, vous avez pu le voir. Donc là, les attaques de marcheurs, c'est jusqu'à 40 joueurs. Le jeu, de toute façon, au début, pendant le chargement, un petit bon point que je trouve sympa. On peut jouer Darvador en fait et flinguer de l'Alliance en fait pendant le temps de chargement. Au moins, ça nous évite de faire des trucs à la con. Je me pose une question depuis tout à l'heure, je me demande s'il y a des dégâts de chute, je me rappelle pas. Je me rappelle pas. Oula, Orbital Strike, on dégage. Eh ben voilà, j'ai eu ma réponse du coup. Non voilà, j'ai voulu y échapper hein, en sautant. Bon ben voilà, dégâts de chute, c'est confirmé. Du coup voilà, après le jeu bien sûr propose un didacticiel contre des droïdes sondes. Ça vous entraînera au tir, au jet de grenade, ainsi qu'aux roquettes, pendant que j'y parle, Intelligent Rocket que je viens de gagner. Donc ça, je vais le garder justement pour faire mal au TBTT, il arrive bientôt au relais, je vais le garder. Et du coup je pourrai le cumuler avec mon pistolet d'action en L1. Et du coup je vais pouvoir lui faire un 30 plus je ne sais pas combien. Si je me rappelle bien, l'évaluation de dégâts, c'est tous les 100 en fait, de dégâts, il perd 1. Vous voyez qu'il était à 100 de toute façon, et il était même à 95 la première fois que je l'ai vu, il me semble. Ça veut dire qu'il avait pris 500 de dégâts. Voilà, je crois que c'est ça en fait l'échelle, si je me rappelle bien pour le TBTT. Parce que voilà, ça pouvait paraître bizarre si je dis que je lui mets 30 PV dans la gueule. Alors là, n'importe qui peut le défoncer en prenant ça, quoi. Enfin, il suffit d'être 4 et c'est bon, quoi. Oh là là, vous avez vu ce matheux, hein, 30, hein, ça dépasse 100, hein, si on est 4, 120. Bon allez, je ferme ma gueule. Du coup, il arrive bientôt au relais. On va voir ce que ça donne. Mais en tout cas, cette map est vachement sympa, hein, franchement, c'est assez immersif. La bande son est très très bien respectée, ça lui a valu beaucoup de points. Je vous le rappelle, 15,5 sur 20, donc 77% pour être plus précis sur Game Rankings, qui compare la plupart des sites de jeux vidéo mondiaux. Voilà, ça vous permet de vous faire une idée. Beaucoup assassiné par les fans, par les puristes de Battlefront, je peux le comprendre parce que franchement, ça n'égalise pas un Battlefront, franchement, c'est un tout nouveau style de Star Wars. Il aurait pu être bien mieux dans ce style-là et faire vraiment procurer l'unanimité chez les joueurs. Mais il est très faible en ressources. 9 modes de jeu, très peu de cartes, apparemment, d'après ce que j'ai pu lire. Mais néanmoins, bon, pour ceux qui commencent, et si c'est votre premier Star Wars, eh bien, je vous conseille d'y aller même les yeux fermés, car il est vraiment sympa. Il n'est pas quand même dégueulasse pour autant. Certes, il ne correspond pas à un Battlefront, il est plutôt orienté. Putain, j'avais Vador à côté de moi. Ok. ça y est, les Y-Wing approchent. Je vais pouvoir faire les deux coups. Où est-ce qu'il est? Où est cet enfoiré? Oui, il est là. Allez, concentration. Touche et bazooka. Non, voilà, après, certes, voilà, il se fait descendre parce que ce n'est pas un Battlefront et on l'appelle Battlefront. Mais
dans le fond, quand même, ça reste un bon style Star Wars, mais version Battlefield, quoi. Par contre, là, il n'y a pas à chier, il est vachement sympa. Du coup, ouais, vous allez le descendre quand même. Je me fais en plus défoncer sur la gauche. Ah ben ça y est, il est détruit. Ben voilà. Donc vous voyez, voilà en quoi consiste au moins ce mode de jeu qui, je trouve, est le plus sympathique de tous les modes qui nous sont proposés. Je ne les ai pas tous faits, certes, je ne parle peut-être pour ne rien dire, mais voilà, j'ai fait de l'escarmouche, j'ai fait de la suprématie, j'ai fait de l'escadron de chasseurs. Voilà, assez déçu par les combats aériens, franchement, parce que ça reste vraiment comme ceux de la bêta. C'est pas aussi développé que dans le Battlefront. L'XP qui monte, qui vous sera transmise en argent pour gagner du coup des petites compétences, la grenade que j'avais en bas ainsi que mon fusil à action, etc. Voilà, tout ça s'est converti pour que vous puissiez faire de meilleures parties prochainement. Voilà, et bien sur ce je vais vous quitter. J'espère que mon test de Star Wars Battlefront sur PS4 vous aura plu. Je vous dis sur ce à très bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien tout le monde, et à ciao.